français parlent au français. Au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le village de Serest. C'est là que Stéphane Durbecq, conseiller régional sortant du Front National, a passé toute son enfance. C'est aussi là, dans le Luberon, qu'il se ressource et qu'il chasse la bécasse, avec Héro, son fidèle épagneul breton. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans. J'ai visité une première ferme de gens de village, une vieille famille du village, qui sont dans un hameau qu'on appelle les France, en bas. Voilà. Oui, déjà, oui, les France. Oui, c'était peut-être prédestiné, je ne sais pas. Décidément, le mot France ne me quitte pas. C'est le prénom de ma mère, de la personne qui m'a mis donc au monde. Une mère d'origine pied-noire et béarnaise qui l'a abandonnée à Marseille, dans ce quartier populaire, ancien fief communiste, devenu l'un des bastions du Front National. C'est quand même ici, la bastide Cazaux, où chaque fois on fait nos meilleurs scores. Donc, oui. Mais là, il faut encore que les gens disent pas de l'abstention, allez voter. Voilà. Pour Stéphane Durbecq, le Front National n'est pas un parti d'extrême droite, mais un parti nationaliste. Lui, l'ancien militaire qui a reçu la médaille de la Défense nationale, refuse d'être taxé de raciste ou de xénophobe, mais se dit profondément patriote, une valeur qui l'a rapproché de Jean-Marie Le Pen. Et c'est peut-être ce qui explique son adhésion au Front dès l'âge de 16 ans. J'ai une relation particulière avec le président du Front National, je pense. Donc avoir une relation très complice, qui est une relation, je pense même, un peu affective. Il a été, même si j'ai beaucoup de respect pour papa et mes parents, bon, je pense qu'il a été aussi un père par substitution. Mais aujourd'hui, le plus jeune colistier du leader du FN est amer, alors que tout le prédestiné à être tête de liste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'est finalement qu'en troisième position. Je suis un homme libre, donc je ne suis ni un alibi, ni un faire-valoir. Et je ne serai jamais un alibi, ni un faire-valoir. Une campagne qui pourrait marquer un tournant dans son engagement politique. La droite locale lui fait d'ores et déjà des appels du pied. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.